Bon, bonjour. Voilà, alors on m'a chargé d'organiser cette séance sur l'irrationalité et donc on aura le plaisir d'accueillir Marion Worms de l'Université Paris-Sorbonne, philosophe Sarah Troubet, philosophe de l'Université de Nice et Pierre France qui est à Beyrouth, mais avec la magie de la technique, il est aussi avec nous. Voilà. Je dirai deux, trois mots sur l'intervenant après. Juste, alors on m'a demandé d'introduire, donc voilà, je vais faire une petite introduction un peu qui sera un petit peu détaillée, enfin détaillée, voilà, un peu plus longue qu'une introduction. Dire deux, trois mots sur le contexte de cette séance qu'on a décidé d'organiser, qui est effectivement en prise à pas mal de circonstances bien politiques, intellectuelles, et puis dire trois mots. Contextuel au niveau de la philosophie récente, parce que c'est des questions qui intéressent les philosophes en tant que tels, et puis les philosophes des sciences que je suis, et que Marion et Sarah sont aussi, et à certains titres. Voilà. Donc, ce qu'on voit en ce moment, ou ce qu'on entend plutôt, c'est quelque chose comme une lamentation que le monde est devenu irrationnel. Je pense que vous avez dû faire attention. Se déploie sur plusieurs registres et sur beaucoup de tons. Alors, vous avez tout un tas de gens qui déplorent que notre merveilleuse politique sanitaire est foutue en l'air par les anti-vax, qui sont des gens complètement irrationnels, qui ne veulent pas voir que le vaccin, c'est bien. Par les complotistes, qui sont des copains des premiers ou les mêmes, qui expliquent que y a plein de complots qui sont derrière les vaccins, la politique sanitaire, etc., etc. Et que donc tous ces gens irrationnels détruisent la belle rationalité de notre monde néolibéral capitaliste macronien. Il faut faire quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez ce discours sur les Lumières, ou plutôt ce discours qui veulent défendre les Lumières contre les nouveaux Goths ou Ostrogoths, c'est-à-dire les gens qui veulent éteindre les Lumières. Alors ça peut s'appeler de manière un peu rigolote les wokistes. Ça peut s'appeler les postmodernes, ça peut s'appeler beaucoup de choses, et vous avez tous entendu parler de ces espèces de tribunes insupportables où les gens viennent dire que on oublie la raison, on oublie les lumières. Alors, il y a une figure qui m'intéresse bien, c'est par exemple celle de Steven Pinker, qui a été un grand scientifique, comme quoi ça ne prémunit de rien, et qui écrit des livres pour dire d'une part qu'il faut défendre les lumières, bon, sans trop savoir ce que c'est, mais c'est bien. A priori, c'est mieux que le contraire, les lumières. Et que grâce aux lumières, le monde va de mieux en mieux. Ça se voit, il suffit de regarder. Hein. Par exemple, il y a moins de pauvres, c'est vrai. L'espérance de vie augmente. C'était vrai à peu près à l'époque où il écrivait son livre. Et que donc, il faut ouvrir les yeux de ceux qui croient que les lumières sont un échec ou plutôt une entreprise d'oppression enfin, des minorités. En général, c'est la majorité, mais des choses qui passent pour des minorités, c'est-à-dire les femmes, les homosexuels, les peuples non européens, etc. Dans cette lamentation, il y a deux choses importantes. La première qui est que elle vient de beaucoup d'horizons très différents. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à s'y retrouver assez longtemps. Les Lumières, voilà, c'est une idée de gauche, ça avec le progrès, bon, vous savez tout ça, tout le monde sait ça. Puis maintenant, bon, il paraît que la gauche a renié son idée du progrès et des lumières. Il y a un livre là-dessus de Stéphanie Rosa sur le socialisme que je ne suis pas en train de contester. Hein. Je fais vraiment une sorte de paysage hein, intellectuel. Et donc il y a cette idée que, si vous voulez, les gens ont perdu la foi dans les lumières. Alors on peut en accuser soit ceux qu'on appelle les postmodernes, parfois la théorie française, hein, French Theory en anglais. La déconstruction, quand on est un peu plus cultivé, on en accuse l'école de Francfort. Quand on est encore plus cultivé, on en accuse par exemple Hegel ou Fichte, c'est-à-dire en gros les gens des Lumières. Mais dans tous les cas, on est là, on a un discours qui explique que les Lumières, ça a été le progrès, ça a été l'annonce du progrès et la réalisation du progrès. Et puis il y a un certain nombre d'illuminés, dans un autre sens, qui finissent par convaincre les jeunes, la jeunesse, hein, que c'est pas le cas. Et donc il faut donc défendre ça. Voilà. Alors, on a une lamentation sur l'irrationalisme ambiant et puis l'émergence de ce que, je reprends le titre du bouquin de Sylvain Laurence, Stéphane Foucart, Stéphane Aurèle, de gens qui s'appellent les gardiens de la raison et qui vont essayer de nous garder contre les anti-vax, les conspirationnistes et tout ça. Et alors, il y a des solutions qui émergent dans cette lamentation.
Il faut agir sur les irrationnels, hein, il faut agir sur l'individu irrationnel. Et comme il est irrationnel, ben, on ne va pas pouvoir le convaincre, hein, puisque sinon il serait rationnel. Donc on va faire autre chose. Et alors le nouveau machin à la mode, c'est ce qui s'appelle le nudge. Hein, c'est-à-dire que comme il est irrationnel, du dedans des sciences cognitives, l'irrationnel se définit non pas par la déraison, hein, mais par quelqu'un qui est plein, plein, plein de biais. Alors les biais, c'est type systématique, en gros, d'erreur de jugement. Bon, je ne sais pas ma spécialité, en plus je ne développe pas, mais je sais juste que vous avez une bestiaire des biais. Vous allez sur n'importe quel site de sciences cognitives, vous allez avoir 687 biais répertoriés. Et le nudge, c'est l'idée qu'en agissant sur le biais, effectivement, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire en gros en présentant un peu différemment la chose, la croyance que l'on veut inculquer à la cible, on va pouvoir lui faire changer de croyance et surtout de comportement sans même que la personne soit au courant de ce qui s'est passé. Vous avez un livre qui vient de sortir là de Coralie Chevalier et je ne me souviens plus qui est l'économiste. Coralie Chevalier est une jeune chercheuse en sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot sur justement le nudge et ça pose tout un tas de questions relativement intéressantes, hein, en particulier en termes de philosophie politique, la question de savoir si c'est ou pas du paternalisme. Alors, ce n'est pas du paternalisme parce qu'on ne veut pas imposer aux gens de faire le bien alors qu'eux-mêmes ne voient pas le bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on met des photos, par exemple, de poumons complètement détruits sur des paquets de cigarettes? Hein, est-ce que c'est du paternalisme ou pas? L'objectif étant, en gros, la santé et les activités pro-environnementales. Voilà. Alors, c'est dans ce, je pense que c'est dans ce contexte que c'est intéressant de se demander un petit peu plus ce qu'est-ce qu'on entend par irrationnel, qui parle d'irrationnel, comment, pourquoi. Sachant que quand on a un tout petit peu de culture, j'allais dire philosophique, mais même en général, c'est quand même un terme qui occupe à peu près tout le monde depuis, enfin tous les gens qui réfléchissent un peu au moins en ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, depuis 2500 ans, sans faire mon. Enfin, sciences humaines et sociales, même les maths, hein, c'est des irrationnels. Pardon. Je cherchais le titre du livre de Coralie Chevalier. C'était tout à fait. Je me Mais ça souviens a aucune plus, je me vidéo. Ça a souviens aucune plus. Il y a une vidéo. émission Je viens sur d'y France Q où penser. ils en parlaient il y a 2 jours Désolée. d'ailleurs. C'était assez rigolo. Les journalistes disaient, mais vous ne pensez pas que ça peut être gênant parce que ce genre de technique, si on les met dans les mains de gens mal intentionnés, c'est toujours ma question, hein. Oui, non, mais enfin bon, mais ils esquivaient beaucoup la question en fait. Alors, un point qui m'intéresse aussi, quand on regarde un peu plus en détail, je parle de rationalisme fort et de rationalisme faible, je parle de naturalisme, là, c'est ce que j'ai sous les yeux. Hein, c'est curieusement, il y a une autre manière de lire la situation philosophique ou même plus généralement scientifique, hein, qui est de se dire. Nous vivons le triomphe de l'irrationalisme dans la théorie elle-même. C'est par exemple le point de vue de quelqu'un comme Pascal Engel, mais il n'est pas du tout le seul, qui explique qu'au fond, les gens qui pensent par exemple en termes de biais cognitifs voient la raison comme en gros une espèce de machin adaptatif pour se débrouiller dans l'environnement primitif, typiquement pour manipuler les gens. C'est le livre important de Mercier Sperber, hein, qui se demande d'où vient la raison. Il pense que c'est, bon, je caricature un peu, mais c'est quand même l'idée, vous définissez la raison par son origine, à savoir, c'est une adaptation cognitive dont le but est d'allier des gens avec vous dans l'environnement primitif, parce que l'environnement primitif, donc l'Homo sapiens au Pléistocène, on ne s'en sortait pas si on n'arrivait pas à faire les bonnes alliances. Et donc qui sert à avoir raison, et donc qui sert à avoir raison sur l'autre plutôt que trouver les vraies raisons, pour dire très vite. Et Pascal Engel, comme d'autres, pense que cette manière de penser la raison est en elle-même irrationaliste et une manière assez intéressante de mettre dans le même sac les furieux postmodernes. Hein, alors je ne sais pas qui est-ce qu'on pourrait. Voilà, tous les gens qui ont été accusés d'être des relativistes qui oubliaient la raison, hein, Latour, Derrida, Deleuze, Foucault, etc. Et puis des gens qui sont des cognitivistes naturalistes, hein, qui se revendiquent eux-mêmes. De la raison, parce que Angèle soutient un rationalisme fort dans lequel la raison ne se définit pas par ce qui serait les raisons empiriques de son apparition. C'est intéressant ce contexte où vous lamentez que les gens sont irrationnels d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez des gens qui disent
Non, mais en fait, c'est pas les gens. La manière de penser dominante en philosophie et en sciences humaines est irrationaliste. De plein de manières, évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de penser qu'on pourrait aller voir des gens de l'Institut Jean Nicot et leur dire vous êtes des Derridiens, en fait. C'est marrant. Donc, juste, il me semble que cette situation, au fond, évidemment, est un résultat, et un résultat de deux, trois choses que je vais. Que je vais juste retracer très vite. Hein. Quand on se place sur une cinquantaine d'années, l'un des points d'origine de ces histoires de biais cognitifs, c'est les travaux de Kahneman, entre autres, hein, de Kahneman et Tversky dans les années 80, qui montraient que les gens, empiriquement, sont pas si rationnels que ça. Par exemple, quand vous leur dites, voilà, vous avez un test, vous avez un individu, il a été testé pour une maladie. Voilà, la prévalence de la maladie dans la population, le gars est positif, le test est positif, quel est le nombre de chances qu'il a, pardon, calculer la chance qu'il a d'avoir la maladie, tout le monde se plante, y compris les chefs de clinique et tout ça. Bon, c'est assez familier, mais bon, je leur raconte. Et donc, alors même que beaucoup de sciences, en particulier l'économie, modèle les gens comme étant des agents raisonnables, il se trouve qu'empiriquement, les gens ne sont pas du tout des agents raisonnables. Ils se plantent en logique formelle, ils se plantent pour appliquer des choses bayésiennes élémentaires, ils se plantent dans l'évaluation des probabilités. Bon. D'où deux interprétations, en fait. L'une qui a été celle défendue par quelqu'un comme Stitch dans un bouquin qui s'appelle Fragmentation of Reason, qui est des années 80, qui a beaucoup inspiré beaucoup de nos collègues de Jean Nicot, qui explique que ben non, les gens sont pas rationnels. Hein, voilà. C'est pas une propriété intrinsèque de l'être humain d'être rationnel. Et la rationalité peut être un effet. Hein, moi, je classerais Sperber et Mercier là-dedans. Mais, et puis, vous avez des gens qui vont essayer d'étendre le terme de rationalité. Non, non, en disant non, non, les gens sont rationnels. Par exemple, si vous posez des problèmes de probabilité pure aux gens, les gens se plantent, les gens sont nuls. Si vous mettez la même chose dans les termes de fréquence, les gens sont nettement meilleurs. Pourquoi? Parce que dans un environnement naturel, biologique, vous ne voyez pas des probabilités, des choses hein, entre 0 et 1 qui satisfont les axiomes de Kolmogorov. Vous voyez 3 pommes rouges sur 12 pommes, par exemple. C'est des fréquences que vous voyez. Et le cerveau est bon pour les fréquences, nul pour les probas. Parce que le cerveau n'a pas lu Kolmogorov. Et donc, on est, depuis une cinquantaine d'années, depuis ces travaux, encore une fois, à la limite de l'économie et des sciences cognitives, hein, de Kahneman et de Tversky et d'autres, pour les interpréter, on est sur une oscillation entre la thèse de la fragmentation des raisons, nous ne sommes pas rationnels, et puis la thèse l'idée d'étendre la raison. Hein. Par exemple, un psychologue comme Giger-Enser en Allemagne a beaucoup écrit sur le fait qu'il existait une rationalité écologique. Hein. Par exemple, au fond, il est assez rationnel de choisir un pot de yaourt en se disant, ah bah tiens, j'ai vu une pub sympa. Les gens ne sont pas rationnels. Il serait rationnel de tester tous les pots de yaourt, hein, de faire un fichier Excel, de mettre des notes éventuellement avec 3 critères, et puis ensuite de regarder celui qui maximise ce qui vous intéresse et de manger celui-là. Seulement, il y a quand même beaucoup de pots de yaourt, vous avez dû aller à Auchan. Donc, vous êtes en temps limité, hein, vous ne pouvez pas passer votre vie à tester des pots de yaourt. Ou alors là, vous avez vraiment donné dans l'irrationalité. Donc, il est complètement rationnel parce qu'on est des êtres finis, à pouvoir computationnel limité, à information limitée, à temps limité, il est complètement rationnel d'avoir des heuristiques, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a dans la pub, ou faire comme les gens qui réussissent, ou faire comme la plupart des gens. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. Et les heuristiques vont avec les biais. Hein. Quand les heuristiques, en gros, donnent des résultats désagréables, on va appeler ça des biais. Donc la question qui se pose en fait, c'est est-ce qu'on peut sauver les agents rationnels, l'idée que l'individu humain peut être considéré comme un agent rationnel, ou est-ce qu'il faut oublier ça et partir dans l'idée qu'il est fondamentalement irrationnel? Alors il est fondamentalement irrationnel, pourquoi? Il n'y a pas seulement les expériences de Tversky et Kahneman, ça s'est aussi retrouvé beaucoup du côté de l'économie. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes en économie, l'individu de l'économie est un agent rationnel, c'est-à-dire qu'il maximise ses préférences, ses utilités, pardon. Donc il a des choix, il a un panier de biens devant lui, et chacun a une préférence, ce qui définit pour lui une utilité, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir le truc qui maximise l'utilité. Et ce qui fait que, comme ça, vous pouvez prédire le comportement des gens et l'expliquer. Bon. La clause pour que ça marche, c'est que les préférences soient transitives. Hein, s'il préfère la glace à la vanille et la glace à la glace au chocolat et la glace au chocolat à la glace à la fraise, il va préférer la glace à la vanille à la glace à la fraise. Sinon, bon, je pense que c'est assez intuitif, mais ça ne marche pas. Bon, il y a d'autres clauses, mais ça, c'est la plus simple.
Le problème, c'est qu'empiriquement, les gens ne sont pas rationnels, c'est-à-dire que souvent, ils font des choses qui violent la transitivité des préférences. Et alors, l'autre truc intéressant qui a donné énormément de discussions, surtout maintenant dans le contexte justement des nudges, c'est la cohérence du choix intertemporel. C'est-à-dire que la consistance des choix intertemporels, hein, c'est-à-dire que on fait des expériences aux gens, on leur dit voilà, tu préfères 100 euros maintenant, 110 euros dans un mois. Les gens disent ah ben, je veux 100 euros maintenant. Puis au bout d'un mois, ils disent ah ben, j'aurais préféré 110 euros. Mais donc, ils ne sont pas consistants dans leur choix intertemporel. Il y a une manière beaucoup plus technique d'expliquer ça, mais c'est l'idée que les anticipations qu'on tire du présupposé que les gens sont des agents rationnels et que donc en fait la manière dont ils vont choisir dans deux périodes de temps différentes, c'est-à-dire la manière dont ils vont valoriser deux unités de temps à des périodes différentes, doit être d'une certaine manière qui n'est pas du tout ce qu'on trouve dans le comportement des gens. Il y a deux questions philosophiques à partir de là et une remarque que je vais faire. La première, c'est que à la fois vous allez avoir le projet avec les sciences cognitives, le redéploiement d'un projet de sciences de la nature humaine. Ça a été énormément discuté avec cet aspect de des sciences cognitives qu'on appelle la psychologie évolutive, c'est-à-dire des gens qui essayent effectivement, c'est dans le projet, hein, d'écrire la nature humaine. Hein, après, soi-disant, quelques décennies où on pensait qu'il n'y a pas de nature humaine parce qu'il y a des cultures différentes, des histoires, des époques différentes, etc. Et au même moment où ce projet de nature humaine arrive, empiriquement, il y a des gens qui viennent vous dire que ah ben non, mais les humains ne sont pas rationnels. Alors que l'idée de base dans de philosophie occidentale quand même, c'est que la nature humaine, c'est d'être rationnel. Donc il y a un paradoxe ici intéressant. Donc il me semble que toutes ces discussions sur l'irrationalité, les antivax, les complotistes héritent quand même beaucoup. Et la seconde remarque, c'est que au fond, beaucoup de choses ici tiennent à la question, la manière dont on va penser la relation entre l'origine et l'essence. Bon, alors c'est l'affaire de la métaphysique hardcore, mais ça ne l'est pas. Hein. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez que ce qu'on va connaître empiriquement sur l'origine de la rationalité, typiquement, est-ce que la rationalité est au départ une heuristique pour se faire des amis, est-ce que ça épuise ce qu'est l'essence de la rationalité? Typiquement, le rationalisme fort, type Pascal Engel, mais il y a vraiment beaucoup de gens, dit que ce sont deux choses différentes. Voilà. Le rationalisme faible aurait tendance à penser que non, ce ne sont pas deux choses différentes, une fois que vous savez à quoi sert la raison, donc sa fonction. Qui vous dit pourquoi elle est là plutôt qu'elle n'est pas là, alors vous savez qu'est-ce que c'est. Alors, ce que je raconte est très, 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 très évidemment abstrait. Et puis, il suppose une chose, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la rationalité. Or, évidemment, il n'y a pas au moins à première vue une seule rationalité. Il y a au moins deux rationalités, la rationalité théorique, celle qui norme nos affirmations sur le monde, ou nos croyances, si vous préférez, au sens de tenir pour vrai quelque chose. Et donc, par exemple, il est rationnel de tenir pour vrai quelque chose si c'est supporté ou soutenu par les éléments matériels dont on dispose. Il est irrationnel de tenir pour vrai quelque chose qui est en contradiction totale avec ce qu'on a comme élément matériel. Hein. Quelqu'un qui vient et qui vous dit, par exemple, je ne sais pas moi, pense que Guingamp est la meilleure équipe de foot de l'univers, par exemple, c'est irrationnel. Bon, d'ailleurs, c'est faux. Mais c'est en contradiction avec les données qu'on a sur Guingamp. Le fan, enfin, l'exemple n'est pas totalement hasard. Le fan de Guingamp, c'est quelqu'un qui dit Guingamp est la meilleure équipe de foot de l'univers, mais c'est juste que, bon, il n'a pas encore donné la mesure de sa puissance et tout ça. Et on peut même trouver des arguments après coup et tout. Un tout petit peu plus précisément, il y a la rationalité peut. Généralement, on peut dire qu'il y a une rationalité minimale qui est celle des économistes, qui ne porte que sur la maximisation de l'utilité. Hein. Et c'est-à-dire qu'au fond, l'utilité est une valeur subjective, donc les préférences sont subjectives. L'économie vous dit, étant donné les utilités ou les préférences de quelqu'un, alors, à partir du moment où cet individu est rationnel, il ou elle va faire telle et telle chose. Bon. Et rétrospectivement, si il ou elle a fait telle et telle chose, étant donné qu'il est rationnel, alors, nous pouvons en déduire que si ses croyances étaient X, ses préférences étaient Y, ou bien si ses préférences étaient Y, ses croyances étaient X. C'est une équation à trois inconnues, pour dire vite. Non, bah, deux inconnues. Et
Rien n'est dit là-dedans des préférences. Et beaucoup de discussions sur la rationalité ou l'irrationalité des gens sont simplement dues à cette équivocité entre la raison des économistes, qui est vraiment minimale, hein, et la raison des philosophes, par exemple, qui généralement exigent un peu plus que le seul fait de maximiser son utilité. Hein, alors, dans le champ justement de l'économie comportementale, qui a donné des choses de Kahneman et de Tversky, il y a tous les travaux de gens comme Gary Becker, hein, je sais pas si ça, enfin, j'imagine que certains sont très familiers avec ça. Et Gary Becker est très intéressant parce qu'il a étendu le mode de comprendre économique à peu près tous les comportements et les croyances. Hein. Donc vous avez des travaux très intéressants de Becker et son équipe sur le drogué. Hein. Donc le drogué, bah, c'est quelqu'un qui préfère la drogue, hein, par définition. Donc il a un certain type de préférence et il est parfaitement rationnel. Et étant donné que le drogué est parfaitement rationnel, on explique qu'en tant qu'être rationnel, il va préférer, par exemple, avoir une dose de plus alors qu'il sait que ça le fout en l'air. Il sait parfaitement que ça le fout en l'air. Hein, le drogué n'est pas con, il est rationnel, c'est juste qu'il est drogué. Et ensuite, à partir de là, c'est-à-dire qu'il préfère la drogue. Et à partir de là, vous pouvez dérouler les conséquences tant que vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça étend la rationalité à tout un tas de comportements qui sont juste apparemment pas du tout irrationnels. L'avantage, c'est qu'il n'est pas du tout rationnel. L'avantage, c'est explicable. L'inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui ont une conception plus forte de la rationalité, vont pas accepter ça. Alors, pourquoi la théorie de la justice? Il me semble qu'il y a quelque chose qui, là-dedans, convient bien à la théorie de la justice au sens de Rawls. Hein. La théorie de la justice de Rawls, c'est la théorie qui dit, bah, dans nos sociétés démocratiques, vous ne pouvez pas construire quelque chose comme la société juste à partir des idées du bien des uns et des autres. Bon, là c'est moi. Enfin, c'est Rawls, mais là, c'est moi qui ai tracé le parallèle, peut-être que je dis n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'est que il faut trouver un moyen, alors qu'on a des gens qui ont des idées du bien différentes les uns des autres. Donc, par extension, quand même des préférences différentes les uns des autres, d'avoir une organisation sociale qui soit quand même juste. Et donc, l'idée de Rawls, hein, Harsanyi et Rawls, c'est que vous avez cette espèce de. Vous imaginez que vous ne connaissez pas votre place dans la société, vous avez un voile d'ignorance qui vous empêche de savoir où vous êtes dans la société, et à ce moment-là, ce qui est juste, c'est ce que vous décideriez de vouloir, c'est-à-dire vous minimisez le tort fait aux personnes maximalement défavorisées. C'est ça qui est juste. Bon. Peu importe le détail de Rawls, mais ce qui m'intéresse moi, c'est l'idée qu'on veut avoir une conception de ce qu'est une bonne organisation sociale indépendamment, et donc une organisation sociale quand même rationnelle, indépendamment des idées du bien des uns et des autres, donc indépendamment des préférences. Et ça a quelque chose qui, quand même, a un chouette écho avec l'idée de Becker et de tous ces économistes que, ben, on a une rationalité de tous les comportements, quelles que soient les préférences des uns et des autres. Alors, bon, il y a tout un tas de problèmes si on reconnaît qu'il existe plusieurs rationalités, et le plus simple à énoncer, c'est est-ce que c'est la même ou pas? Est-ce qu'il y a une unité de la rationalité? Ou est-ce qu'au fond, le terme raison, dans la raison pratique et la raison théorique, ou bien la raison des économistes et la raison des psychologues, est homonyme? C'est-à-dire que comme le chien comme constellation et le chien comme animal. Et donc, très exactement, est-ce que les raisons, au sens des raisons de croire, sont les raisons dans la raison pratique, et puis les raisons au sens, mettons, des biens et des désirs, sont les mêmes. Est-ce que la maximisation, genre la maximisation de l'utilité, et puis les maximisations qu'on pourrait penser en termes théoriques, c'est-à-dire, en gros, maximiser les informations dont je me sers, ou que ça a quelque chose à voir avec optimiser le rapport entre les informations dont j'ai connaissance et puis ma croyance, est-ce que ces deux types de maximisation sont les mêmes. Si c'est les mêmes, on peut supposer que la raison théorique a quelque chose à voir avec la raison pratique. Bon. Alors, dans ce cadre, on comprend en fait un petit peu ce qui se passe avec les gens qui essayent de sauver l'agent rationnel. Hein. Alors, on a parlé de rationalité limitée, enfin, c'est mon histoire des pots de yaourt. Hein. C'est-à-dire que, bah, on n'optimise pas en fait, on optimise sous contrainte qu'on n'a pas accès à tous les pots de yaourt, sous contrainte qu'on a un temps limité et tout ça. Une autre manière de sauver la rationalité, c'est de redécrire, c'est-à-dire que tous les cas de beaucoup de cas de transitivité des préférences, où quelqu'un préfère A à B et puis B à C, en fait, si vous mettez C à A, en fait, si vous redécrivez, vous vous rendez compte que ça reste transitif. Par exemple, vous allez introduire une variable temporelle dans la description de A et de B, puis de C, et vous vous rendez compte que la personne préfère A à B et B à C prime, en fait. Et préfère C à A, donc la transitivité est sauvée. Hein. Et ça, c'est une manière, si vous voulez, de sauver la rationalité. Et ça s'oppose aux gens qui veulent oublier la rationalité. Qu'est-ce qu'ils font dans des cas précis? Vous prenez la consistance du choix intertemporel. Il y a des gens qui vont dire, en fait,
on se plante dans nos choix intertemporels parce que dans notre tête, dans notre cerveau, très exactement, nous avons deux zones qui s'allument très différemment. Quand je pense à moi maintenant, il y a une zone qui s'allume. Quand je pense à moi plus tard, il y a une autre zone qui s'allume et c'est la même zone qui s'allume que quand je pense à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'en fait, on a deux selves. Et ça, c'est la structure de notre cerveau qui nous dit ça. Et donc, l'inconsistance des choix intertemporels, c'est-à-dire qu'en gros, nos choix ne respectent pas les axiomes de l'agent rationnel si on les déploie dans le temps. Cette inconsistance-là se comprend. On est vraiment irrationnel, ça se comprend parce que notre cerveau il est fait de telle manière que on a, c'est Ainsley, l'économiste, qui a sorti ça, puis ça a été beaucoup documenté par les sciences cognitives, on a deux soi dans la tête. Certains diront c'est un peu minimal, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, le dernier point que je voulais souligner, c'est comment ceci a, dans la politique des sciences, hein, donc comment ceci affecte, a à voir avec la politique. Parce qu'évidemment, la notion d'agent rationnel en économie a à voir avec la notion de marché. C'est-à-dire que les économistes disent, à partir du moment où on a des agents rationnels, on les met dans un marché, donc un endroit où ils échangent, ils produisent et ils échangent, ils produisent et ils vendent. Et sous des conditions de concurrence libre et non faussée, le marché va optimiser. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le prix va être un signal fiable de la valeur, et les gens vont se retrouver à avoir des paniers de biens qui maximisent, en fait, soit maximisent leur utilité, soit on ne peut pas faire mieux. Bon, je passe les détails. Et ça fait quand même 100 ans qu'on a l'impression que ça ne marche pas du tout. Et si les agents sont pas rationnels, et si la thèse de l'irrationalité est vraie, il est clair que le marché ne peut pas marcher. Parce que la prémisse, c'est que les agents sont rationnels. Il y a beaucoup de travaux, énormément de travaux sur le néolibéralisme. Puis bon, pas du tout ma spécialité, hein, mais quand on lit ça en touriste, on se dit qu'effectivement, le néolibéralisme relâche la thèse selon laquelle les individus sont des agents rationnels. Les individus ne sont pas complètement rationnels, il faut donc les aider à être rationnels. Hein. Construire des marchés pour des agents irrationnels et puis corriger les agents. Hein. Il y a beaucoup de manières de corriger les agents. Une première manière, c'est de déléguer leurs décisions à des experts. C'est quelque chose qui a été discuté dans l'un des moments importants du débat entre John Dewey et Lippmann, qui est supposé être un acte de naissance, un des actes de naissance du néolibéralisme, beaucoup discuté par Barbara Stiegler. Et puis, de nos jours, il est clair que toutes ces considérations sur le nudge, hein, sur la manière d'exploiter les biais cognitifs des gens pour faire en sorte qu'ils choisissent et ils agissent bien, est tout à fait une façon de reconstruire un marché avec des agents supposément irrationnels. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, et à partir du moment où on a corrigé les agents, ils vont se comporter comme des agents rationnels, le marché va optimiser, tout ira bien. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ça marche. On va atteindre nos buts, par exemple, d'une société plus juste, moins inégalitaire, productrice de richesses, respectueuse de l'environnement, par des outils qui traitent l'irrationalité des individus. Voilà. Plutôt que le monde, et je pense qu'il y a une connexion très forte entre cette lamentation sur l'irrationalité du monde et puis tout un tas de perspectives politiques qui s'imposent de plus en plus. Alors, il y a des gens qui vont parler de tout ça, moi je faisais une petite introduction, bon, voilà.